Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler moitié imprimante 3D, moitié tuto terrain pour Warhammer 40 000, Age of Sigmar, ce que vous voulez, puisqu'on va évoquer une chose, un objet qui peut se placer sur à peu près n'importe quel terrain, qu'il faut avoir en masse, qui sont chers à l'achat, donc vaut mieux les fabriquer soi-même. Et en général, quand on essaye de les fabriquer soi-même, on se heurte à deux petits problèmes. Le premier, c'est le transport, parce qu'il y en a beaucoup, et que parfois, quand on les fabrique soi-même, la matière est un petit peu friable. Ce qui nous conduit dans le deuxième, qui est les péter. C'est-à-dire que quand vous fabriquez des arbres vous-même, surtout à partir de matières naturelles, donc qu'on trouve dehors, des bouts de branches, des conneries comme ça, de la mousse, eh ben on va dire que 9 fois sur 10, l'arbre il va finir en 1000 morceaux, surtout si vous l'utilisez souvent, si vous jouez souvent, si vous le prêtez à des gens qui jouent souvent. Les arbres qu'on fait soi-même, faut pas se le cacher, au bout d'un moment, ils sont un petit peu défraîchis, voire carrément ils tombent en lambeaux. Et les arbres du commerce qui sont entièrement en plastique thermoformé, etc., vous pouvez pas faire une forêt avec, ça vous coûterait vraiment vraiment trop cher. Aujourd'hui on voit le mix des deux, avec un petit bonus. Le mix des deux, ça veut dire quoi? Ça veut dire imprimante 3D, bien sûr, mais pas tout. Je vous conseille, sincèrement, de ne jamais imprimer le feuillage des arbres, mais de le faire vous-même. Contentez-vous, c'est mon conseil, contentez-vous d'imprimer le tronc, qui lui a besoin d'être solide, d'être en plastique, d'être résistant, d'être peint, et on va voir l'astuce, le truc que j'ai trouvé pour faire un feuillage résistant, parce que c'est ça en fait, résistant au voyage, résistant à la manipulation, et crédible. Et petit bonus, je vais vous parler de... Alors, vous le voyez un peu à l'écran si vous êtes capable de comprendre ce qu'il y a. Vous voyez, je vais faire bouger le bordel, voilà. Vous pouvez remarquer qu'il y a deux couleurs principales, enfin trois techniquement, parce que vous voyez qu'il y a une espèce de sol avec des petits traits dessus. Vous embêtez pas, le sol c'est ce qu'on appelle le raft, le radeau. C'est-à-dire c'est sur ça qu'on imprime, donc ça part à la poubelle. Ce qui est en rouge, c'est l'arbre en lui-même. Donc on voit tout à fait la forme qu'il a, les branches, etc. Et on voit que tout autour, il est nappé par un truc plus clair, qui l'entoure gentiment. Ce sont des supports. Les supports sont là pour que l'impression puisse se passer correctement, surtout quand des choses volent dans les airs, et que si l'imprimante tente de poser du film plastique, du fil plastique dans les airs, ben qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le fil plastique, il va se déposer nulle part parce qu'il n'a pas la propriété magique de voler. Donc on met des supports pour que le fil se pose dessus et que la construction puisse continuer. Techniquement, vous voyez que les supports conduisent à des endroits qui sont bien trop éloignés et bien trop anguleux. Et le fil plastique ne pourrait pas se poser sur le fil d'avant, parce que c'est beaucoup trop éloigné, c'est presque plat, c'est presque horizontal. Donc on a ces supports. Ceci dit, les supports que j'ai là ont une forme un petit peu particulière. D'ordinaire, les supports, c'est très géométrique. C'est des colonnes qui s'élèvent en ligne droite du sol jusqu'à l'endroit où il doit y avoir une jonction. Là, c'est une option, elle est disponible sur Cura, je ne saurais pas vous dire si elle est disponible sur les autres slicers, ça m'étonnerait pas. Mais c'est une... Alors, c'est encore en bêta, je crois. C'est ce qu'ils appellent... Voilà, des supports arborescents. Voilà, génère un support arborescent avec des branches qui soutiennent votre impression. Ça a pour effet numéro 1 de réduire la quantité de plastique qui va être foutue à la poubelle. Parce qu'il faut moins de plastique pour faire des supports arborescents que pour faire des supports géométriques. Et petit bonus, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait mieux à faire que de les jeter. Il y a moyen de les recycler. Mais on verra ça à la fin de la vidéo.
Donc, si vous le pouvez, si vous avez le choix, je vous conseille de faire un support arborescent. Voilà. Et vous verrez que quand on enlèvera le support arborescent, parce que là, l'arbre que vous avez devant vous, il est en train d'être imprimé derrière. Je m'en fais un de plus pour la vidéo. Et du coup, on va pouvoir voir étape par étape, tout ce dont je vous parle. En l'occurrence, quelques particularités, à vous dire, oui, éventuellement, si j'enlève la coque. Voilà, j'ai fait du remplissage. Vous voyez, tout ce qui est de cette couleur-là au milieu, ça va être du remplissage dans l'arbre. Beaucoup de gens sur un arbre ne font pas de remplissage parce que c'est très vertical et que techniquement les couches de plastique se superposent gentiment les unes aux autres. Et surtout que vu que c'est un arbre, si jamais vous avez des défauts, bah, c'est un arbre, c'est jamais parfait, c'est jamais droit un arbre. Donc un défaut, c'est hyper facilement maquillé ou crédible et personne va aller inspecter votre arbre à la loupe. Je mets quand même les supports parce que vous pouvez remarquer que au final, ça fait pas une grande quantité de plastique. Ça fait pas un grand gain de temps. Et je dois avouer que quand on arrive au centre de l'arbre, là où les branches se touchent en fait, quand les couches arrivent à ce niveau-là et qu'elles commencent à créer la partie intérieure des branches qui se rejoignent, c'est censé voler dans les airs. Et donc ça peut être raté et je préfère pas prendre de risques pour la faible quantité de plastique que je pourrais économiser. Et vu qu'en plus je vais réutiliser le support, ce qui réduit terriblement le gâchis de plastique, je me suis quand même autorisé du remplissage dans le modèle. Et voilà la grosse bouse au sortir de l'imprimante 3D avec ses supports, ses petits fils qui pendouillent. On va la décrocher du plateau. Alors l'impression est pas terrifiante, vous savez, les impressions c'est toujours un petit peu au pifomètre. Parfois il y a des petites erreurs, parfois il y a des creux. Voilà. On n'a pas toujours un résultat fantastique et faut un peu le combler, faut un peu le travailler derrière. J'ai enlevé tous les petits fils qui pendouillaient, j'ai enlevé le support, et vous voyez que j'ai rajouté avec du filler, avec de l'enduit de rebouchage, j'ai repassé certaines zones qui étaient un peu trop marquées, un peu trop en escalier. Une partie du tronc, les rochers aussi, pour qu'ils soient bien plus lisses. Voici le résultat basé en noir. On va pouvoir passer à la partie peinture. Alors, pas des nouveautés fofolles, hein. On prend un pinceau plutôt brosse, plutôt, vous savez, les pinceaux dégueulasses à quelques centimes d'euros. On va faire successivement un brossage marron, assez violent, assez plein. Et une fois qu'il sera fait, on va faire un brossage plus léger, marron clair, et pas dans tous les endroits. Le but, c'est d'arriver à créer du relief. Quand vous regardez un arbre, il n'est pas uniforme, les couleurs, c'est un petit peu disparate. Donc je vais faire du relief ensuite avec un marron un peu plus clair. Je vais faire encore du relief avec un marron encore plus clair. Et puis je vais faire quelques éclaircissements au vert, comme s'il y avait des taches de vert sur le tronc. Et je vais éclaircir le vert avec du jaune pour terminer quelques autres tâches un petit peu ailleurs en essayant de choper si possible les reliefs, les endroits qui sont exposés à la lumière. Le but étant de créer un contraste assez tranché, n'hésitez pas à avoir le pinceau assez chargé en peinture. On ne peut pas compter sur le relief pour qu'il récupère les pigments, parce que le relief est un petit peu, c'est l'impression 3D quoi. Donc, faut vraiment avoir sur le pinceau suffisamment de peinture, pardon, pour que ça se dépose un bon coup sur les reliefs et que ça les masque un petit peu, que ça les comble un petit peu. Une fois ce premier résultat accompli, je dégaine de l'encre noisette et je repeins complètement la figurine à l'encre noisette.
L'encre noisette est maintenant sèche, je vais en profiter pour faire les rochers. Alors très rapidement, hein, gris anthracite, gris foncé par-dessus, gris clair, et puis voilà quoi. Et puis une légère pointe de blanc après sur les reliefs. Je vous rappelle qu'on n'est pas en train de faire une compétition pour un crystal brush, hein, on est en train de peindre en arbre. Peut-être pas la peine non plus de passer 1000 ans sur les rochers. Une fois les rochers terminés, il est temps de passer aux petites touches de vert, ici ou là, sur l'écorce. Et on va terminer en rehaussant les petits détails, car oui, il y en a, si vous voyez sur le tronc, il y a des espèces de petits champignons. Vous savez, ce genre de champignons un petit peu horizontaux. Je repasse simplement leur bordure dans un jaune très très clair. Il ne reste plus qu'à vernir tout ça. Vernis mat, bien sûr. Et voilà qui est terminé pour le tronc. On peut maintenant s'occuper du feuillage. Alors, pour servir de structure, je vais utiliser, vous voyez, ces espèces de trucs genre boule de Noël en plastoc qui se divisent en deux. Ben, je vais en prendre une des deux, je vais la chauffer au pistolet à chaleur jusqu'à ce qu'elle se déforme en essayant toujours de conserver des formes arrondies. Faut pas que ça soit trop prononcé, faut que ça ressemble vraiment à une frondaison d'arbre en fait. Et comme je bois du thé, je ne jette pas mes sachets de thé, non non. Une fois qu'ils sont infusés, je les ouvre, je les vide, je les sèche. Et j'obtiens ce sympathique petit tapis de feuilles de thé hachées. La suite est super simple. Pistolet à colle, alors petit pistolet à colle si possible, parce qu'il va falloir progresser lentement pour pas que la colle sèche. J'en enduis le bord de la bulle en plastoc. Et je l'écrase bien fort dans les résidus de sachets de thé. Et je fais comme ça tout le tour, et je fais une spirale en fait, jusqu'à arriver au centre. N'oubliez pas de bien écraser fortement la colle, et de faire en sorte qu'il y ait un bon tapis de résidus de thé en dessous, pour pas que ça touche l'assiette.
De temps en temps, vous allez avoir des petits fils de colle qui vont se faire. Vous pouvez les enlever sur le moment, vous pouvez les enlever plus tard. Honnêtement, ça craint rien. Une fois que vous avez fini, vous regardez où il y a des trous et vous complétez les petits trous avec des points de colle et un écrasage dans le T à nouveau, jusqu'à ce que vous soyez content du résultat. Il n'y a plus qu'à peindre. Voilà que je l'ai basé en noir. Alors en fait, je l'ai verni un coup pour que les feuilles de thé s'accrochent bien. Puis je l'ai basé en noir à la bombe. Comme ça, ça fait deux couches de trucs qui vont faire que le thé va encore plus adhérer dans la colle plastique. Une fois que c'est sec, il n'y a pas de magie. Hein. On prend du verre, un verre terne, un verre sombre, puis un verre plus clair, puis un verre lumineux et un verre mêlé de beaucoup de jaune, histoire de donner du relief. Il n'y a plus qu'à peindre assez grossièrement avec un pinceau qui craint pas grand chose et qui coûte pas cher. Parce qu'après le pinceau il fait un peu la gueule. Et c'est là que vous devez laisser s'exprimer votre fibre artistique. Hein. Faut que ça ressemble à un feuillage à la fin. Mon seul conseil c'est de réserver les éclaircissements les plus importants, ceux qui tirent vers le blanc, sur les bords, alors sur le tour du feuillage, mais aussi à l'intérieur. Surtout ce qui ressemble un peu à une bosse. Vous faites le tour de la bosse avec cet éclairage blanc, histoire de donner vraiment l'impression qu'il y a différentes épaisseurs de feuillage les unes sur les autres. Vous allez perdre des feuilles de thé. Vous voyez qu'il y a plein de petits picots noirs par terre. C'est bien, c'est normal. N'hésitez pas à y aller un petit peu fort avec le pinceau parce que tout ce qui devait tomber un jour doit tomber maintenant. On ne veut pas garder de bout de feuille de thé qui est un petit peu accroché et qui va se casser la gueule au bout de 5 jours. C'est le moment de frotter pour que ça tombe et que ne restent que les trucs de thé qui sont vraiment accrochés dedans. Vous voyez, là, je suis en train de créer le relief en faisant le tour avec un vert très 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 jaune. Et voilà le résultat final. Pour que ça tienne encore plus, je prends une bombe de lac de merde, hein, achetée à 1€, et je laque tout ça. Bah oui, la laque que les nanas se mettent dans les cheveux, c'est quand même un petit peu de la colle. Donc une fois que c'est laqué et une fois que c'est sec, on peut passer à la suite. J'ai mes deux parties. Je mets pistolet à colle sur la hauteur des branches. Un petit peu au pifomètre, n'hésitez pas à être large, de toute façon vous pourrez l'enlever après. Hein. Et je n'ai plus qu'à trouver le meilleur emplacement pour coller le feuillage. N'hésitez pas à profiter du fait que la colle est chaude pour modifier un petit peu le résultat et que ça vous plaise. C'est le moment où je remarque que mon arbre n'est pas très stable. Vous voyez que le dessous doit pas être suffisamment plat et effectivement je ne l'ai pas limé quand je l'ai sorti, il y a une erreur de ma part. Qu'on va devoir corriger un petit peu à l'arrache, un petit peu maintenant, mais vous allez voir que c'est pas bien compliqué. J'en profite avec une pince pour enlever tous les petits fils de plastique fondu qui sont à l'intérieur et qui ont rien à faire là.
Prenez quelque chose qui est en métal. Pourquoi métal? Parce que la colle du pistolet à colle adhère vachement moins bien au métal qu'au plastique. Vous mettez un bout de colle du pistolet à colle sous l'arbre et vous le posez sur le métal sans l'écraser comme un taré. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de relief. Et en fait, vous appuyez juste pour que ça s'aplatisse et que ça vienne combler, bah, on va dire, le côté instable du tronc d'arbre. Vous laissez sécher suffisamment. Et vous l'enlevez. Et normalement, vous avez créé le relief qui manquait sous l'arbre pour qu'il arrête de brinque-baller. Profitez-en pour nettoyer tous les petits trucs de thé qui pendouillent encore un petit peu trop ou qui sont un peu disgracieux. Et voilà, vous pouvez commencer à cracher votre forêt. Je vous conseille de varier la taille des troncs d'arbres pour pas qu'ils se ressemblent trop. Variez les couleurs des frondaisons aussi. Mais c'est quand même facile et pas cher. Je vous avais parlé de recycler les supports. Alors, malheureusement, le support là était un petit peu faible, il s'est coupé en deux. Mais on va dire que pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser quelques points de pistolet à colle pour le ressouder. Ce que j'aurais pu éventuellement faire aussi si j'avais voulu le réutiliser, hein, ça aurait pu marcher. Puisque de toute façon, une fois que le support est assemblé, si jamais il a été pété, il est plus ou moins recouvert de colle de pistolet à colle, recouvert d'enduit de rebouchage, pour cacher le côté très horizontal. Tout ce qui fait pas très naturel, en fait, vous le recouvrez de pistolet à colle et d'enduit de rebouchage, en lui donnant une texture un peu d'arbre, en dessinant dessus des petits traits, ce genre de choses-là. Voilà le support tel qu'il aurait dû être s'il n'avait pas été cassé en deux sur ce coup-là. Et si je le pose, imaginez que je le colle sur une base, alors une base en liège. Voilà ce que j'obtiendrai. Là, c'est exactement le même modèle, sauf qu'il n'était pas pété quand je l'ai sorti. Je l'ai collé sur un morceau de liège, je l'ai collé avec du pistolet à colle, hein, et avant que la colle ne termine de sécher, je l'ai roulé dans des petits graviers, ce qui a ajouté des petits graviers autour de l'arbre. Et j'ai peint tout ça de manière classique, tronc d'arbre, marron, et j'ai simplement posé de la mousse sur le dessus. Remarquez ensuite que si je plie ce tronc d'arbre et que je le chauffe au pistolet à chaleur pour qu'il garde la forme, je peux obtenir des formes bien plus droite et obtenir du tronc d'arbre torturé. Si j'ai des petits bouts de support, je peux obtenir des petits arbres. Et si j'en ai plusieurs, je peux les assembler sur un morceau de liège pour obtenir ce genre d'arbre là. Au lieu de balancer les supports, je les recycle en arbres un petit peu torturés. On est d'accord, c'est pas la même qualité que les arbres qu'on sort de la machine, hein, mais franchement, plutôt que de les balancer en deux temps trois mouvements, ça me permet d'avoir une forêt de secours, une forêt secondaire. Je trouve que c'est largement suffisant pour une qualité tabletop.